السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة من إنسانة كريمة وحكيمة الدكتورة حكيمة حاضر الغالية، وعلى اختيار محور هذه الندوة المباركة والتي يتعلق بتشغيل القاصرين. على مائدة تشغيل القاصرين على مائدة الفكر الشرعي والقانوني والاجتماعي، حقا إنه موضوع يؤرقنا جميعا ويؤلمنا، ونتقاسم جميعا النضال لخدمة هذه الشريحة الضعيفة معنويا ماديا وصحيا. وأتمنى أن تتضافر كل مجهوداتنا لمحاربة هذه الظاهرة، ظاهرة تشغيل القاصرين بصفة نهائية، وإلا فسوف تكلف الدولة المغربية ضعائر جد باهظة إذا لم يحترم الالتزام والتوقيع على المنظومة الدولية لحقوق الطفل وحقوق الإنسان بصفة عامة التي وقعها المغرب. مداخلتي عبارة عن مرافعه وصراخ من اجل انقاذ فلذات اكبادنا المعذبه في الارض. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. انتقل توا للتعبير عن هذا، ربما يعبر عنه بكل لغات العالم، ولكن نظرا لاختصاصي في لغة موليير سوف أنشد هذه القصيدة باللغة الفرنسية، والتي عنونتها ب Regard périlleux d'une étoile. J'ai envie d'écrire mon histoire en détail pour vous ouvrir le portail de mon destin en sanglots. Il me pèse comme un fléau. J'ai raccommodé une triste mélodie. Il m'exténue comme une grave maladie. Ma chanson devrait être écoutée, sans qu'on soit dégoûté d'un destin sans nul festin, d'un univers bien absent, sans passion ni compassion, où s'accentue vengeance et agression. Quel malheur pour toute une nation, violente et barbare, d'une méchante maîtresse qui me maltraite sans regret ni pitié, brûlures et blessures aux mains, j'erre partout dans les chemins, broussant dans un quotidien vers un voyage hanté et périlleux, que je croyais un monde pieux. Je cherche le mot et sa fibre. J'emploie souvent l'adjectif libre. Si seulement tu lui tends la main, si seulement tu lui tends la main, elle aura son morceau de pain. Si seulement tu la laisses libre, d'amour sans peur vivre. Si finalement tu l'accueilles, cette pauvre ne sera jamais plus en deuil. Elle éloignera cette haine de très longues galères. À sa vie, elle donnera naissance au sens. À l'école, souvent, elle y pense. Hommes, femmes, arrêtez donc ce drame. Hommes, femmes, arrêtez donc ce drame. D'une femme qui se lance, d'un destin en transe, d'une résignation sans merci. Cherchez donc un raccourci, des peines bien cachées, des fillettes abandonnées et lâchées contre les oppressions amères de tout, de leur petit cœur qui se serre. Pourtant, elles s'y accrochent à tout cœur qui s'approche d'elles au regard profond. Des larmes se versent, l'horizon se perce par l'émotion qui se berce. Elle frôle le chemin de la connaissance. À la culture, elle aura une aisance. Elle cherchera un instant de bonheur, tout simplement.
un destin tout lui vivant. Je vous remercie de votre écoute si attentive. Merci beaucoup.